Invité aujourd'hui votre émission, la poétesse Natié Brié vous déclame. Nous serons avec beaucoup, beaucoup des invités comme d'habitude et plein d'autres surprises à découvrir. Alors, pour commencer, je vous présenterai une chanteuse, Mena Lisa. Donc, elle vient de la Guyane anglaise en Amérique du Sud, les Caraïbes. Depuis son plus jeune âge, elle a commencé à chanter. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très chers invités, que du show, plateau d'Haïti Média Télé avec la poétesse Natié Brié, votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts. C'est votre émission tous les deux vendredis dans le mois, donc de 18h à 20h. Alors aujourd'hui, nous avons reçu plein d'invités. Là, je suis avec Cédric Malas. Allô, allô, il y a le micro, il y a un petit problème avec le micro. Allô? Oui, c'est bon. Alors, oui, bon, c'était une petite erreur de ma part. Donc, je suis avec Cédric Malas de l'événementiel. Il n'est pas venu seul, il est venu avec des artistes. Pour commencer, je lui demanderai de se présenter. Bonjour, Cédric. Bonsoir, bonjour. Vous parlez un peu fort, hein? Bonjour, bonjour. Voilà, donc vous présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, bonjour, je m'appelle Cédric Lalas, je suis organisateur d'événementiel. Donc, la raison pour laquelle je suis dans cette émission, c'est parce que je vais faire un événement qui aura lieu le 16 novembre au 6 Quai d'Ivry. Donc, c'est dans un bateau péniche. C'est une élection Miss Coiffure, à qui je laisserai la parole à ma collègue Inès, la responsable du défilé de mode sur la coiffure. Donc, il y aura des artistes comme Monsieur Kevin Mola, qui est juste à côté de nous aussi, qui va présenter son album et venir à cet événement. Et il y aura La Pioche, Titi Vita, qui sera là aussi. Et donc, ce sera le 16 novembre, comme je viens de vous le dire. Donc, l'entrée, c'est 20 euros. Il y a une prévente qui est à 18 euros aussi. Donc, c'est une soirée vraiment assez prestige, assez luxueuse. Donc, je demande à toutes les belles filles, tous les beaux garçons de venir assister à cet événement. Tout Tout le monde, le monde, d'ailleurs, exactement. hein. Donc, Voilà. Mais voilà. comment vous est venue l'idée de faire ce projet? Donc, l'idée de ce projet, c'est que, bon, moi, ça fait déjà 2 ans que je suis dans l'événementiel. Donc, j'ai commencé en Normandie, Rouen, Dieppe, Le Havre, Fécamp, etc. Et je me suis dit, quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose par rapport à mes connaissances que j'ai, comme je connais beaucoup d'artistes, je suis musicien aussi. Et comme je connaissais déjà mon amie qui est ici présente, Inès Bindo, qui a des salons de coiffure, on s'est dit ben, pourquoi pas faire un certain assortiment. Donc Miss Coiffure et puis événement musical avec des artistes, etc. Pour ça change un peu. Voilà. D'accord, mais l'organisation se passe comment alors? Ben, l'organisation, en fait, ce sera dans un bateau. Bateau péniche Bateau péniche, ou bateau exactement. mouche. Bateau péniche, Voilà. voilà. Donc, ce sera dans un bateau. Il y aura une élection Miss Coiffure. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Inès Bindo qui va vous expliquer le déroulement. Voilà, bonjour Inès. Bonjour. Si vous pouvez nous expliquer, est-ce que les gens vont venir se coiffer? Comment ça se passera? En fait, il y a une présélection qui est en train de se faire actuellement. Donc, les filles qui souhaitent s'inscrire pour participer à l'événement et notamment devenir notre Miss Coiffure de cette année, bah, il suffit juste de nous contacter ou d'aller directement sur notre site internet qui est le www.kinovaair.com. Et à partir de là, bah, elles laissent leurs coordonnées en bas de chaque page. Et après, nous, on les recontacte pour une présélection. Et lors de l'événement sur le bateau, évidemment, elles seront coiffées. Donc, il y aura des maquilleuses, des coiffeuses, etc., qui seront à leur disposition pour que tout se déroule assez bien. Ce qui est bien, c'est que bah, à la fin, la fille qui sera élue, elle gagnera 6 mois de coiffure donc, dans mon salon.
également sac de luxe, je ne citerai pas la marque. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment, on veut tous se réunir. On veut tous se réunir dans un but vraiment de créer une bonne atmosphère sur le bateau et qu'il y ait du beau monde et qu'on soit vraiment là pour créer des choses positives pour l'avenir et donner notamment d'autres idées à d'autres jeunes comme nous de vraiment rêver et se dire qu'on peut tout faire dans la vie. Exact. Mais est-ce que n'importe qui peut, n'importe quelle coiffeuse peut venir s'inscrire? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Donc, tout est mis à leur disposition. Il y aura tout. Il y aura même le manger, je pense. Hein. Oui. Il y aura ça ne manquera pas. Mais la place, comment on appelle ça? Dans le bateau, là, il y a combien de places? Alors, nous avons 300 places. 300 places. C'est sur deux étages. Ça veut dire les gens sont dans le bateau, Il stagne. Ah, le bateau est stable. Exactement. Ah, je pensais que ça passait sur la scène. D'accord, mais vous êtes venu avec un artiste. Bonjour, l'artiste. Bonjour, bonsoir. C'est un artiste musicien qui a déjà des albums sur le marché. Pas encore, le premier va sortir d'ici peu, là, d'ici la fin de l'année, si tout va bien. D'accord, ben, il n'est pas accompagné seul parce que le guitariste m'a dit qu'il ne parle pas beaucoup. Je lui demanderai quand même son nom, quand même. Hein. Vous pouvez quand même vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Moi, c'est Malcolm A. D'accord. Bon, très chers téléspectateurs, pour commencer, nous allons leur demander de nous faire une chanson pour mettre un peu l'ambiance dans ce studio. À vous. Lola ya ni chamola na fila bangelou oyo ba réfectionné na ma milliard Michael Jackson a mema Christian double impact Frida Mouchi c'est la tolacé Inès et Bimboué Malcolm Anabisoué merci. Je vous le disais. Et alors, nous sommes toujours avec Cédric Malas qui fait de l'événementiel. Exactement. Donc, dans l'événementiel, vraiment, c'est bon hein, ce que vous faites. Hein. Merci beaucoup. Merci. Hein, ça promet aux jeunes de penser à beaucoup de choses. Exact. Est-ce que là, vous avez pensé aux musiciens? Est-ce que vous avez pensé aussi aux comédiens? Pas pour l'instant, mais ça va venir. C'est dans les projets.
Et je pense que vous avez parlé de Miss, donc il y aura le défilé de mode ou comment ça se passera? Oui, Inès. Tout à fait. Au fait, allô? On m'entend pas très bien. Oui, au fait, durant l'événement, il y aura un défilé parmi lesquels les filles changeront 3 fois de coiffure. Et il y aura une tenue sélectionnée par nous. Et il y aura 2 autres tenues qui seront au choix de la Miss concernée. Et par rapport à ça, on la jugera et on verra si elle est apte à devenir notre Miss Kinova Air. Mais c'est vraiment ouvert à tout public. Donc on ne juge pas que sur l'image, on juge aussi sur entre guillemets, le mental, vraiment la manière de vivre, entre guillemets, le spirituel, si je peux dire ça. Donc c'est un ensemble, c'est vraiment un ensemble. On cherche une fille, qui pourrait être capable de véhiculer une bonne image de la boutique et surtout qui est souriante et accueillante envers toute personne. D'accord. Donc, très chers téléspectateurs, c'est l'événement de Cédric Malas. C'est le centre d'organiser Miss Coiffure. Le samedi 16 novembre 2013, donc on demandera à tous les coiffeurs, pas que des professionnels, hein, même des amateurs, ou que des professionnels, vous lancez l'appel qu'à des professionnels. En fait, l'appel est lancé pour toute fille qui souhaite devenir, entre guillemets, mon égérie. Ah, d'accord. Donc, c'est pas lancé aux coiffeurs, c'est ouvert à tout public. D'accord. Une fille qui veut nous représenter, qui veut se faire coiffer par nous, et durant 6 mois, elle fera partie intégrante de la boutique. Et pendant 6 mois et jusqu'à 1 an, on la suivra et elle pourra être capable peut-être d'aller nous représenter des fois dans l'Europe, en Belgique, en Allemagne, où d'accord. D'autres clientes nous attendent tout simplement. D'accord. Mais Cédric, vous n'avez pas pris les hommes, il n'y a que des femmes qui vont se coiffer, il n'y a pas des hommes qui vont faire des coiffures. Ah, il y a des surprises, il faut avoir des surprises. Ça, je ne m'en occupe pas. Moi, je fais tout ce qui est événement, tout ce qui est artiste. Les hommes aussi peuvent s'intéresser, pas que les femmes. Hein. C'est vrai. Il y a des hommes qui aiment se coiffer aussi bizarrement. Ça sera au 6 quai Jean Compagnon, dans le 94-200 quai d'Ivry, au port de Péniche l'Unique. Exact. Donc, c'est la ligne 8. Donc, le samedi 16 novembre, venez nombreux, nombreux, nombreux. Exact. Donc, c'est un événement n'est pas raté. Il y aura aussi de la bouffe pour ceux qui veulent manger les brochettes. Exactement. Les brochettes et un peu tout, donc il faut venir voir. Est-ce que vous avez écrit qu'il y aura des artistes surprises en dehors de Malcolm qui nous a chanté une chanson? Exact. Donc il y aura encore d'autres artistes alors. D'autres artistes surprises, oui. Voilà, donc ok, c'est bien les surprises. Donc je vais me pencher auprès de Malcolm qui est aussi musicien. J'aimerais savoir est-ce que moi, vous c'est avez... Kevin Mola. Kevin, pardon, excusez-moi. Ah, Malcolm, c'est le guitariste. Malcolm, c'est le guitariste. Ah, oh, c'est lui qui ne veut pas parler. Voilà que le micro me pousse vers vous. Excuse-moi. Alors, c'est Kevin Mola. C'est ça. Voilà, Kevin Mola. Donc, vous avez des projets pour votre CD qui va sortir. Vous avez le CD de combien de chansons à peu près? C'est un album de 7 titres. 7 titres. C'est des DVD, ouais. Oui. Qui sortira pour les fêtes de fin d'année, si tout va bien. Oui, si tout va bien. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas nous parler un peu en français? Parce que vous avez chanté en lingala. Donc, je dirais aux gens que la langue chantée, c'est la langue vermaculaire, le lingala, parlé en République démocratique du Congo, en République du Congo. Et vous pouvez leur parler un peu en français ce que vous avez chanté? Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que vous avez chanté. Dans un premier temps, ce que j'ai chanté, c'est une rumba congolaise. Dans la rumba congolaise, les thèmes principaux, c'est l'amour. On parle souvent de l'amour. Et là, moi, dans ma chanson, je parle de l'amour d'un homme, en fait, qui est en train de demander à sa copine de revenir, sa copine qui était partie, de demander de revenir. Après, la chanson, c'est sûr que si on se met à la décortiquer maintenant, on n'aura jamais fini, quoi. Mais en gros, le thème, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, vous avez compris que la chanson, c'était une femme qui veut partir, c'est ça, hein? Une femme qui est partie, l'homme demande à sa femme de revenir. Ah ben si la femme veut partir, l'homme demande, ça veut dire qu'il a déconné. Oui, là. Mais ils attendent toujours ça. Ben oui, ils attendent toujours. Ça veut dire qu'il a fait du mal à la femme et puis la femme veut partir. Ben, dans ce cas, des fois, il faut la laisser partir. Hein.
Parce que peut-être qu'on a marre de ce monsieur. Il y a des hommes les hommes de maintenant sont un peu difficiles, hein. Hein, il faut les tenir par les oreilles deux fois. Tous, hein. Pas tous. Hein, donc il y a homme avec un grand H et il y a homme avec. Inès, que vous pensez de ça? Une femme qui veut partir, ça veut dire qu'il y a des problèmes au foyer. Bien réfléchi avant de partir. Hein. Ben oui, une femme ne part pas comme ça. Hein. Hein, Malas, que vous pensez? Hein, si une femme veut partir et décide de partir, que vous allez dire quoi? Après, ça dépend des circonstances, oui. Mais si elle veut partir, c'est son choix et. Il y a des raisons, il y a plusieurs raisons. Mais c'est, donc, ça vient de l'homme surtout aussi. Exactement. C'est toujours les hommes, hein. Non. Alors là, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord, exactement. Les hommes, vraiment, ils deviennent impossibles de nos jours. Hein. Ah ben non, mais je dirais ça pas. Il y a aussi des femmes qui sont casse-tête chinois. Hein. Exactement. Parce que les hommes, c'est pas que je dis les hommes. Non. Les femmes vont être... Non, je ne suis pas pour ça. Donc, si vous avez d'autres choses à nous dire, hein, vous pouvez parler. Hein, Bon, écoutez, moi, je vous invite tous à venir à mon événement, qui sera le 16 novembre, dans le bateau péniche Linique. Alors, c'est juste au-dessus du pont Mandela. Donc, c'est au port haut. Vous allez entendre la musique de loin, ça sera une folie. Donc, voilà. Baba et Shérif qui vont. Je les vois exactement. La minette na film tilelo nandi makate minette na film tilelo nandi makate nandi makate ke yoza yanga pleine de richesse ce qui yoza te période de tristesse mes pensées ne sont que de toi dans mes jours comme dans mes nuits nandi makate ke yoza yanga Maloba na yo sukali Ya tola se peye mbaye Oh mama ye C'est que des extraits pour l'instant parce que c'est pas des titres encore sortis. Alors, vous pouvez encore nous parler pour ceux qui ne connaissent pas le Lingala. Cette chanson. Oui, toujours. Et ça, je pense que ça sera l'inverse. donc, vous pouvez interpréter pour ceux qui, si cela ne vous dérange pas. Alors, dans cette chanson, je dis, pour toi, je ne me fatigue pas. Pour toi, je ne me lasse pas. Qui dit l'homme ou la là, femme? Là, c'est l'homme qui dit. L'homme qui dit pour la femme. Ah, c'est toujours l'homme. L'homme qui dit pour la femme. Pour toi, je me lasse pas. Je me fatigue pas. Mes pensées ne sont que de toi, dans mes jours comme dans mes nuits. En gros, c'est toujours. Ça, c'est pour flatter la femme, quoi. C'est beau, hein. Voilà, donc, mais c'est vraiment une très belle chanson. Il y a des hommes de nos jours qui sont sincères. Il y a des hommes de nos jours, c'est vraiment des aventuriers. Hein. Ah, ça. Donc, il y a hommes et hommes. Les femmes aussi. Il n'y a pas que les hommes. Alors là, ça, je peux vous le garantir. Oui, mais il n'y a pas que des hommes. Et de nos jours, les hommes, bon, on ne sait pas. On va dire c'est 100%. Vous savez, cette génération d'aujourd'hui. Voilà. Donc, montrez-moi l'affiche. Alors, donnez, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en train de voir. Je pense que oui, c'est bien vu là. Voilà. Donc, le samedi 16. Le samedi 16 novembre. Exact. Voilà. Merci, monsieur Verne. Samedi 16 novembre, à quelle heure vous avez dit? À partir de 23h voilà. Jusqu'à l'aube. Ah, de 23h à l'aube. Exact. Venez très, très nombreux. Reprenez encore l'adresse pour les gens qui sont venus un peu en retard. Donc, c'est au 6 quai Jean Compagnon dans le 94, 200 quai d'Ivry. Donc voilà. C'est juste à 2 minutes à pied du centre commercial et on est juste à côté du Libertalia. D'accord. Donc, excusez-moi. Le premier bateau. Donc, nous faisons aussi des réservations sur prévente. Comme vous savez très bien que dans un bateau, il y a un certain quota à respecter. Donc, je vais vous laisser le numéro de réservation. C'est le 07 81 91 90 54. Et ensuite, le 06 98 24 79 94.
pour l'élection de Miss, alors vous pouvez contacter sur Facebook également. Vous tapez Inès Bindo. Et pour moi, côté événementiel, vous pouvez me faire des demandes chez Cédric Lalas Show. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. D'accord. J'aimerais savoir les attentes que vous attendez pour cet événement. Il y a beaucoup des attentes. Vous attendez du monde, vous avez des contacts. On attend vraiment beaucoup de monde, surtout que nous, on a pas mal de connaissances. Oui. Et grâce aux artistes, d'ailleurs, merci à Kevin Mola qu'il a accepté cette demande. C'était avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Mais là, vous dites vous êtes aussi musicien, donc faites-nous quelque chose en a cappella quand même. Oui, donc voilà, chantez au moins. Merci. Ouais, sans. 1, 2. Cédric Lalas. 1. Maman, t'es là, c'est aujourd'hui. Venez tous le 16 novembre, Miss Coiffure, élection 2013 avec Kevin Mola. Yes. Ouais. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci, voilà. Vous m'avez bien eu par surprise. Vous savez, les artistes, quand on dit artiste, il faut s'attendre à tout. Hein, il faut vraiment se montrer vraiment qu'on est artiste. Il y a des improvisations. Moi, je savais que je devais vous dire de chanter. Hein, parce que vraiment, il faut qu'on sache que vous chantez aussi. Hein. Vous faites l'événementiel, mais avant que vous faites l'événementiel, vous avez déjà des albums aussi Pas encore. Je suis tout nouveau dans la musique. Voilà. Mais par contre, j'ai un style à moi que je pense que personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Ah. Et c'est un style, en fait, hip-hop, R&B, mais de ma culture à moi, zaïroise. Donc c'est un certain mélange. Mais Congolais, c'est maintenant République démocratique du Congo. Exactement. Voilà. Mais j'aimerais poser la question à Inès. En dehors de la coiffure, c'est quoi que vous faites? Vous faites que la coiffure? Vous avez un salon de coiffure, ça se trouve? Comment vous faites? Le salon de coiffure, donc, il est situé métro Art et Métiers, à 5 minutes de Châtelet. Donc c'est au 45 rue Volta. Donc je suis vraiment spécialisée dans les lace wigs, dans les tissages, les mèches brésiliennes, etc. Mais vraiment le domaine qui touche plus la boutique, c'est la lace wig. C'est ce que Beyoncé et compagnie et toutes les autres... comme Gladys. Voilà, mettent en évidence donc, pour se rendre belle, etc. Donc je suis vraiment dans le domaine de la coiffure. C'est plus une passion qu'autre chose parce que de base, je suis comptable. Ah d'accord, ah ben on peut tout toucher, hein. Oui. Ah d'accord, mais je vous encourage dans tout ça. Donc là vous avez écouté Inès, je vais revenir vers Cédric pour qu'il nous explique aussi ce qu'il a dit dans la chanson, parce que cette émission est suivie partout, comme je le dis, dans le monde entier, aux États-Unis, on a été un peu partout, nous sommes en direct. Si vous pouvez nous parler un peu en parole, s'il vous plaît. Alors c'est très simple, c'est une chanson, ça parle d'une histoire, en fait c'est un homme qui a une compagne
Vous habitez dans la même maison. Et il s'avère que cette femme l'a trompé. Vous voyez que ça change. Cette femme l'a trompé. Donc elle l'a trompé avec un autre homme. Oui, qui est son ami peut-être. Je ne sais pas. Oui. Donc voilà, elle l'a trompé avec un autre homme. Et alors moi je dis, le mec il sait plus où aller, il sait plus quoi faire. Et il dit mais tu choisis comment? Tu veux quelqu'un qui a de l'argent? Tu veux quelqu'un qui s'habille bien? Tu veux quoi exactement? Et le refrain c'est je me suis mis à pleurer. Exactement. Donc voilà. Ça veut dire c'est la femme. Donc la femme en fait elle a trompé mais sans savoir pourquoi en fait. Enfin c'est l'homme qui ne sait pas pourquoi. Mais si l'homme ne sait pas pourquoi, une femme quand elle trompe un homme, il y a quelque chose qui va. Non, vous savez au jour d'aujourd'hui. Regardez, Cédric, sans vous couper, je vous dis, une femme n'est jamais satisfaite. Quand on construit une case à une femme, elle va chercher une maison. Quand on construit une maison à une femme, elle va chercher un pavillon. C'est vrai, une villa. Exactement. C'est plus une villa, exactement. Un château. Une femme n'est jamais satisfaite. Elle n'est jamais satisfaite. Voilà, quand il y a quelque chose, ça veut dire une femme. Il y a quelque chose, ça ne va pas chez cet homme. C'est très simple. Cet homme-là, c'était un simple ouvrier. Donc ses revenus, ses moyens étaient vraiment limités. Mais je pense que dans l'amour. L'argent ne compte pas quand on aime. Bon, vous savez que on vous dit bien qu'il était ouvrier. Veut dire le monsieur, pourquoi il est parti prendre une femme qui aime le luxe? C'est pas une femme qui aime le luxe. Mais oui, puisque le mari est ouvrier. Si le mari avait des moyens, elle ne devait pas partir, peut-être. Non, c'est pas une femme qui aime le luxe, mais ça vient toujours dans le début de la relation. Donc, dans le début de la relation, le mec, il lui a dit, écoute, moi, je veux bien être avec toi. Mais mes moyens sont là, voilà. Je gagne ceci par mois. Tu veux ou tu veux pas? Et en plus, il montre le moyen chez la femme. Et voilà, la femme a accepté. Elle fait ses calculs, les mèches. La femme a accepté, elle a dit, écoute. Ça coûte cher, quand même. En plus. La femme a accepté, elle a dit, écoute, voilà, c'est pas grave et tout. Moi, j'aime que toi, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je ne pense pas à l'argent. Mais au fur et à mesure des étapes, des choses, la femme se met toujours à changer. Elle veut toujours plus. Et il s'est retrouvé par terre, quoi. Le monsieur. Donc, exactement. C'est la vie, hein. Donc c'est pour vous dire que l'homme aussi souffre beaucoup. Oui, mais l'homme aussi souffre beaucoup. Parce que les femmes d'aujourd'hui, vraiment, entre guillemets. Vous savez, moi j'écris beaucoup sur le fait des sociétés. Hein. J'écris beaucoup sur le fait des sociétés. Quand une femme arrive à tromper son mari, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je dis, la femme n'est jamais satisfaite. Et le monsieur aussi, il faut se dire de mon côté, est-ce que, vous savez, l'accueil. Dans un foyer, ça joue. Les petits gestes, ça joue. Un homme arrive, au lieu de bien recevoir ton homme, tu lui cries sur la tête. C'est pas possible, l'homme va fuir. Hein? Ou la femme, elle vient, l'homme, tu t'habilles en mini-jupe, repars là-bas. C'est pas ça, mets ton soutane. Non, l'habit ne fait pas le moine. Hein? Non, c'est pas possible. Hein? Aussi, il y a des hommes jaloux aussi. Hein? Il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme puisse s'habiller comme... Mais les femmes, certaines, quand elles s'habillent un peu en sexy, je dis le mot là, c'est pour valoriser leur corps. Demain après demain, elle sera Big Mama. Et quand elle sera Big Mama, personne ne va la regarder. Hein? Donc, vraiment, peut-être ça vient du côté de la femme aussi, peut-être ça vient du côté des hommes aussi, on ne sait pas. Hein? Je pense que... En tout cas, c'est une belle chanson. Excusez-moi, hein? Je pense qu'on ne va pas finir cette émission, car moi, je suis pour les hommes et vous pour les femmes. Non, je suis pour les deux. C'est vraiment... Non, le contraire, les femmes, moi j'ai toujours tiré les oreilles et à mes soeurs, à mes grandes soeurs, je leur ai toujours dit, la femme doit être toujours soumise, quel que soit le diplôme de la femme. Quel que soit le diplôme de la femme, tu dois respecter ton mari. Hein, c'est parce que tu as des diplômes, l'homme n'a pas de diplôme, tu dois monter sur... Non, je suis contre ça. Et je suis contre les femmes qui ne respectent pas, ça veut dire qui sont là. Non, ça je n'aime pas ça. Mais nos frères aussi, je n'aime pas que vous tapez. Voilà. On n'a pas égaux, c'est vrai. On n'a pas égaux. Voilà, il ne faut pas taper les femmes, ça ne sert à rien, ça ne paye rien. Donc, la vie, c'est comme ça, bien que tant que les temps sont devenus difficiles. Mais non, bon, c'est la vie. Hein. De toutes les façons, la vie continue. Hein. Et je dirais à des hommes ou des femmes, quand quelqu'un te prend la tête, mais tu lui laisses tomber. Alors, qu'est-ce qu'il a le souffle derrière? Hein, la vie continue. Il se peut que ce n'était pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans ce monde que les gens ne connaissent pas. Peut-être qu'un jour, je vous recevrai, on fera peut-être un débat. Exactement. Là, on est sur ça. Bon, écoutez, vous pouvez nous faire une improvisation si ça ne vous dérange pas.
tout le monde va dans ce rythme d'HDT. Simba, tout le monde tient, va dans mon rythme. Allez, tout le monde, va dans mon rythme. Allez, qu'il ne fasse pas semblant, j'ai toujours été Mokonzi na Bangwe. Mami, lele, 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 ya, ya. Tiens, eh, wololo. Allez, tout le monde va dans son rythme d'HDT. Mwana mungala ya katibila mba ya melindini tweke. Mwana mungala ya katibila mba ya melindini tweke. Mwana tumbo kia matili kolwazo kitate maseke telemi. Tumbo kia matili kolwazo kitate maseke telemi. Ale tobina kadansa madene dene. Adelina denda kande. 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 Que du chaud, oh là 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 là, que du chaud, la poétesse Nathalie Bruyère vous déclame. Téléphonez-nous en direct. Simba Kuta, Benda, allez, tiens. Merci, merci. Merci, bonjour monsieur Awitor. Hein. Voilà, donc téléphonez-nous en direct au 01 48 95 03 15. Donc nous sommes avec Cédric Malas de l'événementiel qui est venu avec Kevin Mola, Malcolm et Inès, la responsable du défilé de coiffure qui aura lieu le samedi 16 novembre 2013. Donc, vous pouvez encore parler un peu de votre annonce avant que nous... Je laisse là. Voilà. Donc, on vous attend très nombreux et nombreuses. Donc, le samedi 16 novembre, sur la péniche, donc, Sique Jean Compagnon, à Quai d'Ivry, donc juste à 2 minutes à pied donc, du centre commercial. Donc, il y aura l'élection de Miss Kinova Air et surtout... Cette soirée sera vraiment l'occasion de s'amuser et de construire des choses positives. Donc voilà. Un numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter donc au 07 81 91 90 54. Il sonne déjà. Exact. Donc, et également au 06 98 24 79 94. À très bientôt. D'accord. Merci. Alors pour c'est clôturer. Je tiens à dire merci à toute l'équipe IT Média Télé. C'est sympa de nous avoir reçus ici ce soir. Pour les personnes qui n'ont pas pu être là, donc de la part de La Pioche Titi Vita, qui n'est pas là ce soir, et notre collègue Belzoni Glam, qui n'a pas pu être là. Donc voilà. Sinon, merci encore à Kevin Mola. D'accord, mais exact. On va à Kevin. Pour vos fans, vous avez un mot de fin ou un message? Déjà, merci à tous les... Vous pouvez nous accompagner aussi avec la musique. Hein. Quand vous ne voulez pas parler, la guitare va parler à votre place. Déjà, merci à tous les téléspectateurs qui ont pris leur temps de nous regarder. Et merci à vous, l'équipe de Média, IT Média Télé, oui. De nous avoir reçus. En direct en plus. En direct, voilà, merci. Pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur l'artiste, ils peuvent se rendre sur Facebook en tapant Kevin Mola, oui. Ou sur tous les réseaux sociaux en tapant Kevin Mola, il y aura mes contacts, mes coordonnées. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui aiment le show, à tous ceux qui aiment le show, tous ceux qui aiment les soirées de luxe, dans une atmosphère de luxe aussi toujours, le samedi 16 novembre, au Quai d'Ivry, c'est de quelle heure à quelle heure? De 23h à l'aube. Jusqu'à l'aube. De 23h à l'aube, je serai là pour un show. Donc je vous invite tous à venir le 16 novembre. Et puis voilà quoi. D'accord, Gladys sera là, Monarissa, nous tous on va être là. Hein. On va venir dans le bateau. Eh, Baba et Shérif, tout le monde. Bon voilà, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Et revenez comme vous voulez, comme merci vous beaucoup. Avez...
des projets, beaucoup de choses, vous faites de l'événementiel. Tous les trois mois. Voilà, tous les trois mois. Exact. Et en plus, je vous signale que l'émission La Poétesse Natia Bré vous déclame, c'est tous les deux vendredis dans le mois. Le prochain émission, c'est le 29 novembre 2013 et le 6 décembre aussi. Et le 29, je donne déjà le programme. Donc, je vous remercie et voilà, on sera là et on attend les invitations. Voilà.